Bonjour mes amours. Aujourd'hui, je viens vous parler de d'autres signes de grossesse comme ça que vous ignoriez peut-être. Bah, tout le monde sait que quand on a un retard, quand on n'a pas ses règles, c'est un signe incontestable d'une grossesse. Quand on a la nausée, quand on a les vertiges, quand on se sent fatigué le matin et qu'on perd l'équilibre parfois, c'est un début de grossesse. Mais je viens vous donner quelques autres petits signes comme ça qui pourront peut-être vous aider à savoir si vous êtes enceinte ou pas. Il y a le fait dans l'autre le premier l'autre premier signe l'autre signe de grossesse autant pour moi, c'est la sensibilité et la douleur de vos aréoles. Vos tétons, bon, l'aréole et le bout de ce, pour celles qui ne savent pas, les aréoles, c'est ce qui entoure le téton, le bout de sein. Donc, vous aurez mal sur le contour, tout le contour de l'aréole, vous aurez mal. Et vous pouvez aussi avoir les douleurs dans les seins, mais plus souvent, parfois, si vous constatez que vous avez des aréoles qui font tellement mal, voilà encore un signe incontestable. Rien à voir avec la douleur des seins qui précèdent les règles. Non, ça n'a rien à voir. Donc, vous aurez mal, les aréoles vont durcir, vous aurez une douleur. Vous n'allez même pas supporter le soutien. Vous n'allez plus porter les trucs. Bon, le secret, c'est de porter des trucs qui ne sont pas serrés. L'autre petit signe, c'est l'envie de faire pipi à chaque minute. Donc, si en plus de l'absence de règles, tu te rends compte que tu vas aux toilettes, mais alors, ce n'est pas seulement en fin de grossesse qu'on veut faire pipi. Non. Même au début, même quand c'est une goutte, tu vas sentir comme si tu as fait 4 heures sans aller aux toilettes. Donc, tu auras envie de faire pipi. Et quand bien même tu vas dans les toilettes, tu te rends compte que c'est une goutte, toute petite goutte. Donc, l'envie fréquente, un envie fréquent de faire pipi. Il y a aussi la constipation. Pour celles qui ne sont jamais constipées, si en plus de l'absence de règles, vous constatez que vous êtes constipée, ça veut dire que vous êtes enceinte. Oui. Il n'y a rien, donc, il n'y a aucun doute. Donc, les tétons qui font mal, envie de faire pipi, la constipation. Si vous n'avez pas vos règles, que vous avez ces autres trois signes, vous êtes enceinte. Donc, achetez un test de grossesse ou allez à la clinique pour faire un test. Voilà. Bisous.